Alors, on est très content de la performance que Ratina a fait aujourd'hui dans ce Grand Prix Land Rover avec ce double sans faute, avec un barrage pas suffisamment rapide pour gagner, mais la jument tout de même gagne en rapidité et elle va bientôt pouvoir gagner régulièrement des barrages. Elle progresse de jour en jour, puisque c'est une jument qui n'était pas très facile au début, qui avait des gros moyens et des grosses qualités, mais qui était un petit peu difficile, et elle s'est beaucoup assagie. Je pense qu'elle a tout d'une craque et qu'elle va continuer à briller sur les pistes. Alors la suite des événements de concours sont quelques chevaux qui vont à la tournée d'Espagne, les chevaux en formation qui vont à la tournée d'Espagne pour se perfectionner. Et puis on va attaquer bientôt la saison outdoor, donc il va y avoir de belles échéances, avec en ligne de mire la Beauce évidemment. Après, je ne peux pas trop vous dire quel est le programme parce qu'on ne l'a pas aujourd'hui, puisque ça c'est à débattre aussi avec le sélectionneur, avec Sophie Dubourg, la DTN. La saison outdoor va être lancée et je pense que les chevaux sont très en forme et devraient bien performer. L'année Bordeaux organisait pour la première fois un salon des étalons. Donc une de mes activités est l'étalonnage, qui est une activité que j'aime beaucoup, qui me rend très proche des éleveurs et qui permet d'échanger beaucoup avec les gens de la base, qui permettent que tous ces bons chevaux soient produits, qui après nous font rêver sur les pistes de concours nationaux et internationaux. Et donc dans ce cadre, j'avais différents étalons que je présentais là. J'ai ajouté cette année à mon catalogue où Vagabond de la Pomme reste mon chef de file, puisque c'est un étalon qui est maintenant très, très réputé et très, très performant. Donc j'ai ajouté d'autres beaux chevaux à mon catalogue, comme Emerald, Cabreville, Alicante, Casalo, enfin qui sont des chevaux également qui tournent à très haut niveau. Et voilà, j'espère que notre activité va bien continuer à se développer parallèlement à l'activité du sport, qui est notre activité fétiche. Je peux nous souhaiter toutes les plus belles performances sur les plus beaux concours de la planète. Alors avec effectivement un fait pour la Baule, Aix-la-Chapelle, ces concours mythiques où se disputent les Coupes des Nations et les Grands Prix CSI 5 étoiles, qui pour nous restent la base incontournable du grand sport. Et voilà, beaucoup de victoires et avec en harmonie entre la cavalière et les chevaux. C'est le hasard, c'est le Grand Prix de Land Rover, c'est un de mes partenaires, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça marche souvent bien. C'est Stéphanie, souvent on a Stéphanie qui a toujours été bonne à Bordeaux et dans le Grand Prix notamment. Moi, Ratina était bien, je suis contente. C'est une jument difficile, mais exceptionnelle, tellement de cœur. Je pense vraiment que c'est quelque chose, toutes les deux. Je crois que c'est un vrai couple. Je ne pense pas qu'un meilleur cavalier y arriverait mieux.